chapitre 24, verset 27. Jésus ne priait pas d'une manière arbitraire. Il connaissait toutes les prophéties annoncées à son sujet. Je veux ton amen. Est-ce que tu pries parce que tu connais les paroles de Dieu annoncées à ton sujet? La Bible dit dans ce passage, je peux commencer au verset 25. Alors Jésus leur dit, mais sans intelligence. Donc c'était ses disciples. Mais ils n'avaient pas d'intelligence. Oh, homme sans intelligence, ses disciples, propres disciples, ils étaient des hommes sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les temps. Connaissait pas ce qui était fixé, ce qui était dit. La parole qui était annoncée sur leur vie, qui concernait leur destinée, ils ne connaissaient pas. Mais ils priaient quand même. Ils étaient des disciples de Dieu, de Christ. Ils ne connaissaient pas. Ils disent, oh, homme sans intelligence. Jusqu'à présent, cette même parole du Seigneur est valable. Ils disent, oh, homme sans intelligence. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui prient, mais qui n'ont jamais compris la volonté de Dieu pour leur vie. Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Seigneur voulait qu'il croie à tout ce que les prophètes avaient dit. Donc, il fallait chercher la connaissance de ce que les prophètes avaient dit. Mais ils n'avaient pas la connaissance, ils priaient, ils étaient disciples. Mais sans la connaissance, mes disciples sans la connaissance, ce que le prophète avait dit, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas avoir le rendez-vous avec Dieu sans la connaissance de ce que le prophète avait dit. C'est pourquoi Jésus était devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Le surnaturel était là, mais ils n'ont pas reconnu que le surnaturel est là. Ils l'ont confondu un homme ordinaire. Or, c'était Jésus lui-même devant eux. Mais puisqu'ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas pu découvrir que c'est Jésus, c'est notre Seigneur qui est revenu en vie. Mais il était là devant eux. Mais ils n'ont pas compris. Combien passe à côté de leur bénédiction? Combien passe à côté de la puissance de Dieu? De la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils prient mais sans la connaissance, sans intelligence. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Tu laisses là où Dieu t'a appelé, tu vas consulter le charlatan. Tu laisses là où Dieu t'a béni, tu vas consulter un féticheur. Mais tu oublies que Dieu est là devant toi. Le surnaturel est là devant toi. La grâce est là devant toi. Mais tu sors de la présence de Dieu pour aller consulter les barres. Ils ne connaissaient pas. Sans intelligence. Ils n'avaient pas d'intelligence pour marcher avec le surnaturel, pour vivre avec le surnaturel. C'est pourquoi je prie qu'aujourd'hui, que Dieu puisse ouvrir ton intelligence au nom de Jésus. Qu'il ouvre ton intelligence, qu'il jette la lumière de ton intelligence et tu comprennes la parole de Dieu à ton sujet. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il ouvre ton intelligence. Alléluia. Dis Amen. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il ne connaissait pas, mais c'était des disciples. Il ne connaissait pas. Le surnaturel était là, Christ. Il ne connaissait pas que c'est Christ. Qu'ils ont servi et qu'ils cherchaient. Combien n'ont pas su tirer profit? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la personne qui est devant eux. Ils ne connaissent pas la personne qui présente l'évangile. Qui est-il? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est un homme de la rue qui est devant moi? Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas.
ils sont allés chercher d'autres personnes. Mais la personne qui cherchait était là devant eux. Mais ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Parce que leurs yeux étaient remplis de cailles. Leurs yeux étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas. Combien n'ont pas vu? Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre ton intelligence. Ta solution n'est pas loin. Ta solution est là où tu es. Mais il faut la connaissance. Comprends les prophéties. Comprends la parole de Dieu à ton sujet. Il y a des gens qui pleurent jusqu'à présent, qui cherchent la guérison, qui cherchent la bénédiction. Mais ils oublient qu'elle est déjà là. Il y a des gens qui sont sanctuaires du Saint-Esprit, mais ils oublient que l'onction est déjà là. Parce qu'on ne connaît pas le temps. Ils ne connaissaient pas. Le Seigneur était là. Il était entré dans sa gloire, mais il ne voyait pas. Il ne savait pas que ce que le Seigneur a subi était le chemin de sa gloire. Mais il ne voyait pas. Alléluia. Dis-moi, amen. Je déclare qu'aujourd'hui, que Dieu ouvre ton intelligence. Ouvre tes yeux. Ton entendement, que tu comprennes. Que tu vois avec clarité. Que tu vois avec clarité. Tu comprends avec clarité. Au nom puissant de Jésus, je t'en amène. Je sais très bien ton amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le surnaturel ne puisse pas te passer au-dessus. Que tu saisisses la volonté de Dieu. Tu saisisses les choses de Dieu. Que ça se soit profitable à partir d'aujourd'hui. Quand tu pries, que le surnaturel soit ton rendez-vous et soit manifeste. Alléluia. Je t'en amène. Je t'aime ton amen. Je t'en amène. Ce que tu cherches n'est pas l'étranger. Ce que tu cherches n'est pas l'étranger. N'est pas au Canada. N'est plus au ciel. Mais ça y est là devant toi. Mais il faut avoir les yeux pour voir. Il faut comprendre, pour voir, pour saisir. Dis-moi amen. Pour bénéficier. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Qu'est-ce que tu cherches? Tu poses la question. Est-ce que ce que tu cherches n'est pas encore accompli? Ce que tu cherches pendant ce temps-ci est là devant toi. Quel était le secret du Seigneur Jésus? Pourquoi comprenait-il avec précision? Quel était son secret? Alléluia. Verset 27. Et quand vous lisez bien la parole, les Écritures, l'évangile du Seigneur Jésus, ça va vous rendre compte que Jésus-Christ faisait chaque chose dans le but d'accomplir les prophéties. C'était l'accomplissement des prophéties. Et tout ce que vous cherchez est déjà dans les prophéties. Ce que vous cherchez n'est pas ailleurs. Tout ce que le Seigneur Jésus a accompli était dans les prophéties. Dans les prophéties. Il connaissait avec précision toutes les prophéties à son sujet, à son égard. C'est pourquoi sa vie était remplie de puissance. Sa vie était remplie de surnaturel. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, répondait à la puissance surnaturelle. Quel était le secret? Il avait rendez-vous avec le surnaturel dans la parole. Connaissant avec précision que c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps des guérisons. Et quand tu pries, c'est les guérisons qui se manifestent. C'est le temps de la délivrance. Quand tu pries, ça se manifeste. Ne passez pas votre temps à prier sans la connaissance de la parole de Dieu à votre sujet. Et quand vous priez avec la parole de Dieu, même si cela ne se manifeste pas aujourd'hui, vous devrez persévérer. Vous devrez insister. Je veux bien entendre ton amen. Tu dois insister jusqu'à ce que cela se manifeste. Tu dois insister. Insister. Passez ce temps. Jésus t'a envoyé pour accomplir ses prophéties. Il n'a pas accompli en une journée.
C'était progressivement. Il priait pour l'accomplissement. Et si vous ne priez pas pour l'accomplissement des prophéties, c'est dans le temps fixé par Dieu. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de surnaturel. Il n'y aura pas du surnaturel. Il n'y aura pas du surnaturel. Il n'y aura pas du surnaturel. Ça sera juste des paroles en l'air. Il n'y aura pas du surnaturel. Alléluia. La Bible dit, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Le rendez-vous avec le surnaturel s'opère à travers les paroles de Dieu, les prophéties de Dieu qui nous concernent. Si je connais ce qui me concerne, j'ai un rendez-vous avec le surnaturel. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, doit s'accomplir, doit se manifester. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus connaissait tout ce qui le concernait. Et quand il parlait, quand il priait, la puissance de Dieu était à l'œuvre. Quand il imposait les mains, les malades étaient guéris. Quand il dit la chose, les démons obéissaient. Pourquoi? Parce qu'il était dans son temps, fixé par Dieu. Dans ses paroles, fixé par Dieu. L'important n'est pas de prier. L'important de connaître qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est pourquoi je dis, tu vas vivre le surnaturel en live. Ne doute pas quand tu pries, ne doute pas. Tu dois avoir l'assurance que ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ma vie. Parce que c'est le temps. C'est le temps. Il connaissait le temps. Il connaissait la prophétie. Il les accomplit avec précision, avec les détails possibles. Et quand il parlait, les miracles s'opéraient. Les malades étaient guéris totalement. Mais on disait, mais Jésus fait beaucoup de miracles. Ok, tu le sais. Parce qu'il priait à base ou en fonction de ce qui était dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Au sujet de ta guérison. Au sujet de ton miracle. De ton baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de ta prospérité, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de ta victoire sur tes ennemis, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet de ton mariage, qu'est-ce qu'il a dit? De ta vie éternelle, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que tu ne pries pas en fonction de ce que Dieu a dit, tu n'auras pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. Jésus priait en fonction, il connaissait ce que Dieu avait dit. Je prends ton amen. Je veux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du baptême du Saint-Esprit? Je te pose la question. Qu'a-t-il dit? Tu veux le baptême? Tu veux le surnaturel? L'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du baptême? Est-ce que le baptême est possible maintenant ou non? Est-ce que l'onction du Saint-Esprit est possible maintenant ou non? Est-ce que ma guérison est possible maintenant ou non? Est-ce que ma victoire est possible maintenant ou non? Est-ce que ma délivrance est possible maintenant ou non? Est-ce que ma fécondité est possible maintenant ou non? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta guérison? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta délivrance? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta situation? Parce que tu ne connais pas que le surnaturel est déjà à ta porte. Mais par manque de connaissance, tu ne crois pas du tout. Comme ils n'ont pas cru, ils n'ont pas été intelligents. Je prie que l'intelligence soit ton partage. Que tu crois ce que les prophètes ont dit, ce que le Seigneur a accompli. Commence à croire, commence à croire,
Commence à croire. Commence à croire. Commence à croire au nom de Jésus. Commence à croire. Ce que le prophète t'a dit, ce que le Seigneur Jésus a accompli, c'est ton partage. C'est le champ dans lequel tu dois rencontrer le surnaturel. 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 Jésus notre Seigneur a rencontré le surnaturel dans les prophéties. Il en a accompli. Il a accompli ses prophéties. C'est pourquoi tous ceux qui veulent rencontrer le surnaturel, au père de le surnaturel maintenant là, doivent travailler avec les prophéties annoncées par les prophètes et accomplies par le Seigneur Jésus. C'est là le champ du surnaturel. C'est là le champ qu'on rencontre le surnaturel. Le surnaturel est là. Il t'attend là. Je veux entendre ton amen. Il t'attend là. Je veux ton amen. Il t'attend là. Il est là. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend là. Il veut que tu parles. Il veut que tu crois. Il veut que tu agisses. Il veut que tu pries. Il t'attend là. Il t'attend là. Il t'attend là. Le surnaturel est dans le champ de l'accomplissement des prophéties. C'est là où le surnaturel nous attend. Il nous attend. Il t'attend pour ta guérison. Il t'attend pour ta délivrance. Il t'attend pour ta fécondité. Il t'attend pour ta victoire. Il t'attend pour ton élévation. Il t'attend là. 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 Il t'attend. Il t'attend là où tu es. Alléluia. Je vois ce surnaturel à l'œuvre aujourd'hui. Il est là devant toi. Il t'attend. Commence à croire. Il t'attend. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a accompli? Tu dois opérer dans ce champ. Demeure dans ce champ. Demeure là. Demeure là. Opère là. Prie là. Demeure là. Demeure là. Tu vas le voir. Tu vas le rencontrer. Tu vas témoigner. Qui a compris? Qui m'a compris? Qui m'a compris? Désormais, quand tu vas prier, le surnaturel sera à l'œuvre. Tu ne peux plus prier sans la puissance de Dieu. Quand tu pries, il faut des signes, des manifestations, des prodiges, des miracles, la puissance. Quand tu pries, les signes, les prodiges, les miracles, la manifestation. Parce que c'est ça, le champ du surnaturel. Alléluia. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. Que l'onction descende sur ta vie. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. Que la puissance descende sur ta vie. Dis-moi, amen. Que les choses changent. Dis-moi alléluia, les choses changent. Dis-moi amen, les choses changent. Dis-moi amen, les choses changent. Dis-moi amen, les choses changent. Tu veux le surnaturel? Ne passe pas le temps à chercher autre chose. Qu'est-ce que tu as dit? Quelles sont les prophéties qui sont déjà accomplies? Le surnaturel nous attend là. C'est là où nous avons le rendez-vous avec lui. Pendant que je parle, il veut que toi tu arrives à ce niveau-là par ta foi, que tu commences à opérer à ce niveau-là, que tu commences à palper, à voir ce que Jésus a fait dans ta vie, la puissance qui est envoyée le jour de la Pentecôte. Je veux que tu commences à voir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui dans ta vie. Le rendez-vous avec le surnaturel, où ça? Dans les prophéties accomplies. C'est dans ce champ-là. C'est dans ce champ. C'est dans ce champ. C'est dans ce champ. C'est dans ce champ que nous le rencontrons. C'est dans ce champ qui nous attend. C'est dans ce champ qui veut te guérir. C'est dans ce champ qui te donne la puissance. C'est dans ce champ qui veut te baptiser. C'est dans ce champ qui veut te guérir. C'est dans ce champ qui veut combattre tes ennemis. C'est dans ce champ. Dans ce champ. Commence à croire là où tu es, que les prophéties annoncées étaient déjà accomplies. Sur la fécondité, c'est accompli. Sur la bénédiction, c'est accompli. Sur la puissance, c'est accompli. Sur la guérison, c'est accompli. Sur l'élévation, c'est accompli. Tu dis, m'amène avec assurance. La victoire, c'est accompli. Commence à voir. Quand je vais prier, la puissance de Dieu va descendre, va t'embraser.
va descendre, va t'embraser, va descendre, va t'embraser, va descendre, va t'embraser, au nom de Jésus. Sakakorabasi, Rekabakaria, Remasakababa. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tout accompli. Il a tout accompli. Écoutez ce que je vais lire ici. Jésus rencontrait le surnaturel où? Dans les prophéties annoncées à ton sujet. C'est là où il rencontrait le surnaturel. C'est là où il rencontrait le surnaturel. C'est là où il rencontrait le surnaturel. Il rencontrait le surnaturel. C'est là qu'il rencontrait le surnaturel. Si tu crois aujourd'hui, il y a la puissance de Dieu qui est là. Tu crois la puissance de Dieu que tu as tant cherché sans succès va se manifester aujourd'hui dans ta vie comme il s'en a auparavant. Dieu t'attend là. Il t'attend. Il t'attend là. Il t'attend. Il t'attend. Il connaissait le secret du surnaturel. Il ne priait pas en vain. Il priait à base de prophéties. Et c'est là où il rencontrait le surnaturel. Il rencontrait la puissance du Saint-Esprit. Il rencontrait la puissance de Dieu. Il rencontrait les miracles. Il rencontrait la délivrance. Il rencontrait cela. Il n'a pas changé. Il est le même. Notre Seigneur n'a pas changé, Jésus. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. La parole est déjà accomplie. Il est le même. Écoutez, quand je veux lire cette parole, l'onction va descendre sur ta vie. La même onction descend sur ta vie. Je le déclare aujourd'hui. La même onction descend sur ta vie. La même puissance descend sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, ça descend sur ta vie aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as aucun puissance surnaturel dans ta vie. Quand tu pries, les choses vont commencer à se manifester. Comme ils ont auparavant. La guérison, la délivrance, tout ce que tu veux va se manifester. Ne sois pas incrédule. Cours maintenant. Alléluia. Tu sais, Dieu avait envoyé le Saint-Esprit pour accomplir les prophéties. Et Dieu envoie le Saint-Esprit pour la manifestation des prophéties accomplies. Au temps du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est envoyé pour accomplir les prophéties. En ce temps-ci, le Saint-Esprit est envoyé le jour de la Pentecôte pour la manifestation des prophéties. Et tu veux rencontrer Dieu. Ne t'éloigne pas des prophéties. De l'évangile. Crois l'évangile de Christ. Et crois ce que nous prêchons. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est là seulement. Il est là seulement. Il est là seulement. Il est là seulement. Il y a des gens qui vont chercher ailleurs. Qui le cherchent sur la montagne. Je ne sais où. Mais il est là dans les prophéties annoncées, les prophéties accomplies, les prophéties annoncées, les prophéties accomplies, les prophéties annoncées, les prophéties accomplies, les prophéties annoncées, les prophéties accomplies. C'est là le champ du surnaturel, le champ qu'on rencontre, le surnaturel. La puissance n'est pas ailleurs. Connaissez le secret, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 4, pourquoi l'Esprit était venu sur sa vie? Pourquoi il était venu sur sa vie? À partir de quand tu vas prier, la parole est déjà accomplie, elle est déjà accomplie. Elle est déjà accomplie. C'est autant dire que la même puissance qui était descendue ce jour-là est ici. Dis-moi, mais elle n'est pas au ciel. Comment savoir comme je suis en train de voir? Comment savoir comme Dieu est en train de voir? Qu'est-ce que tu veux? Ça se trouve ici. Cette parole est accomplie. Depuis ce jour, l'onction qui était sur le Seigneur Jésus est ici avec nous. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici avec nous. La Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Tu commences au verset 17. Alors la Bible dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, Jésus de Nazareth. Il connaissait le champ où on rencontre le surnaturel. Il n'était pas la montagne.
Il était devant la prophétie. La prophétie d'Esaïe. Il n'était pas la montagne. Quoi là où tu es? Quoi là où tu es? Cette onction se réveille sur ta vie aujourd'hui. Et tu vas voir l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit à ton sujet. Au nom de Jésus, dis-moi même. On lui remet le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Et pourtant, ce livre du prophète Esaïe compte 66 livres. Il n'a pas lu tous les passages. Il a déroulé jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où la prophétie s'accomplissait ce jour-là. Où le surnaturel était au rendez-vous. Ah, je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Ah, je veux ton amen. Il a lu ce verset. Il a lu dans ce verset. Et la référence de ce passage, Esaïe chapitre 61, il a lu, il a déroulé. Le premier chapitre, il n'a pas lu. Le deuxième chapitre, il n'a pas lu. Le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au chapitre 61, il a lu ce passage. Esaïe 61. Il a déroulé, il cherchait la rencontre avec le surnaturel. Il a déroulé, il a déroulé, il a déroulé. Il a trouvé l'endroit. La Bible dit clairement. La Bible dit clairement. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen, amen. Il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. 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 Toi, tu vas trouver l'endroit. Tu vas trouver l'endroit. Tu vas trouver l'endroit. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça le secret du surnaturel. Il faut trouver l'endroit, trouver la prophétie, trouver la parole, trouver la parole, trouver la parole, trouver la parole. Il a trouvé l'endroit où il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Dites amen. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Est accomplie. Est accompli. Donc tout ce qu'il a lu là est accompli. Ce jour-là, l'Esprit du Seigneur tenait le sur sa vie. Les guérisons étaient manifestes. C'était déjà accompli. Qu'est-ce que tu veux? La même puissance descend sur ta vie aujourd'hui. 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 Dis Seigneur. Je crois que cette parole est déjà accomplie. Et je crois que le surnaturel se rencontre dans les paroles des prophètes, annoncées par les prophètes à ton sujet. Et les paroles que tu as accomplies depuis ce jour, le surnaturel est au rendez-vous avec nous dans les prophéties annoncées et accomplies par toi. Comme je crois, à partir d'aujourd'hui, la même puissance, le même esprit descend sur moi, descend sur moi et amène l'accomplissement de ces paroles qui étaient accomplies au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Bien-aimé, je m'arrête là.